Je l'ai toujours entendu. Après Laurent Désiré Kabila, après Joseph Kabila, voilà l'homme qui va prendre la destinée de ce pays, le destin de ce pays. Étienne Tshisekedi, non, je veux dire Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant la prestation de serment, c'est l'engouement, c'est l'effervescence qui règne ici au niveau du palais de la nation. C'est une cérémonie émouvante. On a toujours vu ça sous d'autres cieux. Il y a Mami Lela qui me fait dire que c'est lui qui crie en sanglots. C'est le docteur Kabamba. Silence, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On n'aurait jamais le silence. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure son allènement devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo, et vous présente ce amenant un nouveau président de la République, et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon Dieu, une cérémonie mouvante, il ne croit ému parce qu'il récolte les fruits du travail fait, travail minutieusement élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982
Il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoît Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également les symboles du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. C'est accompagné par la salle de Pétain. Oui, ça tire déjà les canaux, pas encore. On va bientôt procéder au tir de 21 coups de cadeau. C'est une façon de démontrer qu'il y a un nouveau pouvoir qui entre au pays. Et ce pouvoir, c'est entre les mains de Félix Tshisekedi Tshilombo. 21 coups de canot, très chers téléspectateurs. Nous allons venir passer le symbole du pouvoir à son successeur, son Excellence, M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Et attendez. Il y a le président Joseph Kabila qui rejoint, très chers téléspectateurs, qui rejoint la tribune où se trouve le haut magistrat de la Cour suprême, Cour constitutionnelle, pardon. Il rejoint Félix Tshisekedi pendant que les canons sont en train d'être tirés, les 21 coups de canon. Une cérémonie émouvante, vu jamais vécue dans notre pays. Moi, j'étais vers la cinquantaine. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Kabila qui est salué par Benoît Luamba et qui rejoint, qui va devoir remettre quelque chose, les symboles du pouvoir, à son successeur, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la constitution. Des mémoires de journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, Mamie, il est là, Angèle Kanam, Jean-Pierre-Henri Kassaranambevou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois, prestation de serment, remise de l'étendard, qui s'est dit, Félix, étendard remis par Joseph Kabila, et l'effectivité du pouvoir, désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais, d'où qu'ils viennent, des provinces du Bas-Uele, de l'Équateur, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, du Haut-Uele, de l'Ituri, du Kasaï central, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïndombe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu, du Nord Koubangi, du Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de la Tchopa, de la Tchopa, de la ville de province de Kinshasa. Félix Tshisekedi est le cinquième président de la République. Tous les symboles du pouvoir lui ont été remis, soit par le président de la Cour constitutionnelle, soit par le président Joseph Kabila Kabongé. Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu, nous disions, le cinquième président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Le quatre premier président étant Joseph Kassavubu de 1960 à 65. Joseph Désiré, quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Quelle cérémonie, poignée de main, accolade! Les sortants et l'entrant sont devant vous et devant la nation, devant le monde entier, en train de suivre cette cérémonie sous le regard. Un regard emporté. Sa femme est emportée par cette nouvelle cérémonie, cette femme qui devient désormais la première femme de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui rejoint à la tribune. Je disais donc que Félix Tshisekedi est le cinquième président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo au pouvoir. Félix Tshisekedi. Voilà, Marie-Olive Lembe Kabila qui embrasse son mari. Mon Dieu.
Merci Joseph de nous avoir fait vivre cette cérémonie. Du jamais vécu depuis que nous sommes là. Du jamais vécu dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Du jamais vécu. Et le monde entier prend acte de cet acte que vous venez de poser. Cet acte, combien ? La constitution de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 74. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement à son article 82. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement à ses articles 38 et 78. Vu l'arrêt RE001 du 10 janvier 2019 par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Vu l'ordonnance du 23 janvier 2019 du président de la Cour constitutionnelle fixant au 24 janvier 2019 à 12h l'audience publique et solennelle de prestation de serment du président de la République. Entendu le ministère public, représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle, en ses réquisitions, tendant à voir la Cour constitutionnelle recevoir le serment de M. Tshisekedi Tshilombo Félix en qualité de président de la République démocratique du Congo et lui en donne acte. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle, de prestation de serment du président de la République. Le ministère public, entendu en ses réquisitions, reçoit le serment prêté par le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Tshilombo Félix, en ces termes. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. De ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. De consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Lui en donne acte. Ainsi prononcé à l'audience publique de ce jeudi 24 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Mohamedou Benoît, président. M. Funga Molima Mwata Evariste, M. Kilombango Zimala Noël, M. Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Ukulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Uipa Bonjali François et Mungulu Tapangane Polycarpe, juge en présence du ministère public, représenté par le procureur général Emmanuel Minga Nyamakwe et l'assistance de M. François Aounja Issia Wabosolo, greffier du siège.
1960 à 1965, Joseph Désiré Mobutu de 65 à 1997, Laurent Désiré Kabila de 97 à 2001 et Joseph Kabila de 2001 en 2019. En cette période, cette date historique du 24 janvier, nous sommes un jeudi pour assister pour la première fois à la passation de pouvoir civilisé entre le président de la République sortant et le président de la République entrant. Tout honneur mérité à Joseph Kabila de faire vivre à la face du monde que ce qui paraissait une utopie devient plutôt une réalité. Et nous espérons le vivre autant pour Tshisekedi Félix à la fin de son quinquennat renouvelable une fois, à la seule condition qu'il pose sa candidature à la présidence, à la présidentielle de 2023 et qu'il soit réélu, sinon c'est quelqu'un d'autre qui le sera à sa place. Laissons le temps au temps, disait l'ancien président français François Mitterrand, et l'avenir nous le dira. Mamie Lela, du jamais vu dans notre pays. Awa, Vanina Malandima, Radio Télévision Nationale. Awa, Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, à Komi Bongo, Tata Mokonti, École Congo Démocratique, Osima. Yabola, puis c'est pas boyé. Na le longue peine d'imami, n'a pas zouzi à Cour constitutionnelle. Nous restons, là, pas possible de discours. Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Excellence, Messieurs les chefs de gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, distingués invités, tous en vos qualités, rangs et grades respectifs, chers compatriotes, ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique
une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les Présidents, distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, notre peuple, ce vaillant peuple combatif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un état de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Par reconnaissance à leur sacrifice, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kasavubu, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des deniers publics. Ensuite, au premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Puis au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité hommes-femmes prônée par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayulu Madidi, avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Chadari et tous les autres citoyens
qui ont su apporter engagement et contribution par leurs idées pour un Congo meilleur. À tous ces compatriotes émérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendance, CENI en sigle, des confessions religieuses dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral, avec une mention particulière à l'Église catholique, dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre père, ami et colistier de la coalition CAP pour le changement en sigle CACH. Nous citons Vital Kamerhe. Président de notre Assemblée nationale. Vital Kamerhe est président du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC. Bien qu'initialement candidat à la présidentielle de 2018, a su mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPS le ticket gagnant. Chers compatriotes, la force et l'unité d'un peuple reposent sur la solidarité et la réconciliation nationale. Aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. Par ces vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité
à tous les échelons de notre pays, au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Sous notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. À ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant 4 décennies, avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Étienne Tshisekedi Wamulu. Cet homme d'action dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays, a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Étienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais, quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer cet enseignement dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. À ce titre, nous avons été votre fervent adversaire politique, Monsieur le Président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques, des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies
des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Chers compatriotes, par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain, la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet, avec ses 80 millions d'habitants, ses diverses et innombrables ressources naturelles, son bassin hydrographique riche, sa forêt équatoriale dense, capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques, notre pays est un véritable atout pour les pays de la région, pour l'Afrique et pour notre planète. À titre d'exemple, différentes études d'organismes internationaux de référence démontrent que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables accessibles et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables dotées d'un programme agricole innovant, le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile, la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluant. Or, comme vous le savez tous, les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve mondiale. Plusieurs industries de technologie de pointe dépendent de notre sous-sol. De chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Tu clôtures. Viens ici, président. Mesdames, messieurs les invités. Viens ici, président. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je serre le retard et tour. Merci. Je suis la présidente.
Je dois te récupérer. La chapelle est la chef de l'île, juste de l'île. Je dois rester. Un Congo qui doit se tourner vers le développement et dans la paix. Alors, il a parlé d'une nouvelle ère qui s'ouvre dans ce pays. Une nouvelle ère et un commencement de notre combat pour le mieux-être des citoyens congolais. C'est ce que dit Tshilombo Félix Antoine, a évoqué les 59 ans d'indépendance que connaît la République démocratique du Congo, 59 ans d'indépendance, qui viennent d'être couronnés aujourd'hui par cette grandiose cérémonie de passation de pouvoir entre un président de la République élu sortant et un président de la République élu entrant. Et cela, c'est le couronnement de tout un combat qui a pris une dimension historique. Il a rendu hommage à tous les héros qui sont tombés pour la cause de la démocratie et de l'alternance en République démocratique du Congo. Il a cité nommément les quatre chefs d'État qui sont passés et qui sont décédés. Il a commencé par Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, il a cité Laurent Désiré Kabila, il a également évoqué le combat de Lumumba. Il leur a rendu un hommage mérité. Tshisekedi a également fait un clin d'œil à tous les candidats à président de la République qui ont concouru à cette élection qu'il a portée au pouvoir aujourd'hui, tout en saluant la grande participation des femmes qui étaient représentatives aussi dans cette élection. Bokotia, peut-être qu'il faut s'informer sur ce qui se passe là au niveau de la tribune avant de continuer. Mais je pourrais continuer à dire que Félix Tshisekedi a également félicité et salué l'engagement politique de Martin Fayulu. Martin Fayulu et Emmanuel Ramazan Chadari